I mean, you look naked in it. Yeah, I have these high-waisted shorts that are cut off, and it kind of reminds me a little Linda Ronstadt. Salut à tous et à toutes, c'est Génétique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous présenter la meilleure équipe non rare du jeu. Vraiment la meilleure. J'en ai testé beaucoup avant de trouver celle-ci. Et franchement, celle-là, c'est vraiment une dinguerie, c'est une tuerie. Donc on va commencer par le goal, on va pas attendre. Rudy a acheté 350 crédits, vraiment, elle est pas chère du tout. Moins de 10 000 crédits, ça vaut le coup. 1m93, style d'arrêt classique. Donc pour un goal hors plaqué, il est vraiment monstrueux. Ses stats, elles sont monstrueuses pour un goal comme ça. En match, il va vous faire de ses arrêts, mais spectaculaire. Spectaculaire, voilà. En défenseur droit, j'ai pris Sebastian Jung, acheté 500 crédits. 4 étoiles de mauvais pied, rendement élevé en attaque, donc mettez-lui des instructions. Regardez ses stats. 75 de vitesse, 72 de passe, 74 de dribble, 77 de défense et 74 de physique. Pour un joueur non rare, il a toutes les stats importantes. Elles sont au-dessus de 70. C'est vraiment très très intéressant. Ensuite, mes deux défenseurs centraux, Rudiger, La Machine et Stones. Cette charnière-là, je peux vous dire qu'elle fait des ravages. Rudiger, acheté 600 crédits. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il est hors non rare avec des stats pareils. 80 de vitesse, 76 de défense, 78 de physique. C'est un monstre, 1m90, il est très 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 grand. Et pas cher, voilà, 600 crédits, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il est vraiment, mais monstrueux. Il vous arrête presque tout. Stones, c'est pareil, 1m88, il est grand lui aussi. Acheté 700 crédits, 72 de vitesse, 78 de défense et 75 de dribble. Cette charnière-là, elle va faire mal aux adversaires. Ensuite, défenseur gauche, Bertrand. Un anglais s'appelle Bertrand, oui. Acheté 550 crédits. Élevé en attaque, donc pareil, mettez-lui des instructions. 78 de vitesse, 75 de dribble, 78 de défense et 74 de physique. Toute la défense est là, au-dessus de 70 de physique. Donc ça, c'est vraiment très 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 intéressant. Ensuite, le MC, un peu plus en arrière. J'ai pris Emre Can, acheté 650 crédits, 1m88. Ils sont tous grands hein, dans cette équipe. 3 étoiles de mauvais pied, pas du tout. 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de gestes techniques. Il a les stats et le talent d'un joueur hors rare. Regardez, j'ai même plus besoin de vous dire les stats en fait. Tellement elles sont abusées quoi. Ensuite, mes deux MC, j'ai pris Castro à droite et Herrera à gauche. Alors on va commencer par Castro, acheté 650 crédits, 7 matchs, 3 buts et 2 passes décisives. Pour un MC, c'est beaucoup. Et pour un hors non rare, c'est plus que beaucoup même. 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de gestes techniques. 74 de vitesse, 81 de dribble, 82 de passe, 69 de physique. Avec un 75 en défense également. Il est très 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 bon. Et Herrera, mon petit chouchou. Acheté 750 crédits, 7 matchs, 1 but, 3 passes décisives. 4 étoiles et 4 étoiles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? 75 de vitesse, 70 de tir, 79 de passe, 84 de dribble et 65 de physique. Même quand je dis ses stats, ça me fait rêver quoi. MOC Lalana a acheté 750 crédits que je n'avais jamais testé auparavant. Et franchement, regardez ses stats. 6 matchs, 7 buts, 4 passes décisives. 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de gestes techniques, il a les deux pieds. Élevé en attaque, c'est parfait. Puis ben, les stats intéressantes, elles sont toutes au-dessus de 70, donc qu'est-ce que vous voulez de mieux? Et mes deux buteurs, j'ai pris Origi à droite et Ings à gauche. On va commencer par Ings. 550 crédits,
7 matchs, 8 buts et 5 passes décisives. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est bon ce joueur. Dommage qu'il n'ait pas les 4 étoiles, il a les 3 et les 3. 86 de vitesse. Très 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 rapide sur le terrain, on le ressent avec sa petite taille, enfin moyenne. 78 de dribble, 70 de physique, 74 de tir. Ah là là. Et il est accompagné de Origi, un mec petit et un mec grand, donc Origi, 1m85, 4 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied, acheté 550 crédits, 6 matchs, 5 buts et 5 passes décisives. Donc en moyenne, à eux deux, ils ont mis au minimum 2 buts par match, voilà, voire 3. Donc Origi 85 de vitesse, on ressent un peu moins la vitesse comparé à Ings, mais c'est parce qu'il est un peu plus grand, donc lui, il vous prendra les ballons de la tête. 76 de dribble, 74 de tir, 64 de physique, ça se ressent pas. On dirait qu'il a 80 par là. Et 68 de passes, bah, les passes aussi. Hein. On dirait qu'il a 75, voire 80. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire si cette équipe vous allez la faire, si vous la trouvez bonne. Franchement, testez-la. Pour moins de 10 000 crédits, vous pouvez faire des ravages. Vous allez avoir un peu de mal au début, ce qui est normal si vous jouez avec des équipes or rares. Mais au bout d'un moment, moi j'ai fait 2 matchs avant de m'y habituer. Après que vous vous y êtes habitué, franchement, vous allez faire des ravages. Sans compter les 2 matchs, j'ai fait 6 matchs contre un abonné et j'en ai perdu un. Je crois. Et il avait Vardy, Mahrez, Sterling. Enfin voilà, il avait vraiment des joueurs très 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 bons et très rapides. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à me follow sur Twitter, sur Facebook, sur Snap et sur Insta. C'était Génétique et peace.